Hey, 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 cucu, mes petits culs, bienvenue pour ce nouvel épisode du Decade The Challenge. Les années 80 battent leur plein. Nous sommes dimanche 7h30 du matin, jour 8 sur 14 du printemps, avec une météo. Je suis Miss Météo, vous avez remarqué, des fois, je me prends des tripes comme ça. Il fait frais et partiellement nuageux. Dans le dernier épisode, nous avions accompagné Hélène et Lionel, qui faisaient la Java en boîte, où on avait rencontré la moitié de la famille de Saint-Paul. Morte et vivante. Et on était rentrés assez tard. Les filles, je les ai remises au lit rapidement, histoire de retourner sur une base normale où, genre, elles dorment vraiment. Voilà, on a quand même laissé le nounou qui s'occupera des gosses le temps que les parents dorment un peu. De toute façon, je vais pas les faire dormir jusqu'à 14h, sinon ils vont être complètement décalés. Mais au moins qu'ils se repimpent un peu parce que, voilà, ils sont rentrés tard et finalement, Lionel, il se remet vite. En tout cas, voilà, ça va être un dimanche un peu pépère. Peut-être allons-nous inviter la familia pour faire connaissance. Les cousins, cousines aussi, voir les enfants, ce serait pas mal d'ailleurs. Oh! Oh! Non! Non! De quoi? Non! L'Hélène? Non, j'avais oublié qu'on quand on bougeait. Déjà, tu vas dégager de chez moi. Responsabilité, gestion... Licencié. Voilà, nous, on n'a qu'un seul. Et c'est Taichi, toi, tu n'existes pas. Je vais finir par te tuer, d'ailleurs, si tu vas dégager de là. L'Hélène, tu le renvoies. En plus, il touche à ta fille, t'imagines, alors que Taichi, il a toujours été correct. Arrête de bouffer, je te dis, viens le virer. Oh, ça commence. Ah! Tu vas, majordome, gestion, licencié. Allez, l'Hélène, tu prends tes ovaires, tu les poses sur la table. Allez! T'as besoin de t'asseoir, là. Tu le vires, tout simplement. On veut pas de lui. Monsieur, vous partez. Voilà. En plus, on a la petite musique, comme ça, on n'entend pas ce qu'elle dit. Allez, dégage. 233 simflouz pour toucher au cul à ma fille. Non, mais dis. Oh, par contre, toi, t'es pas obligé non plus. L'Hélène, c'est bon, tu vas pouvoir... aller aux toilettes. Et reprendre à manger, si tu veux. De toute façon, après, on rappellera pour avoir des chiens à la maison... Oh là là, que d'émotion! Qu'est-ce que tu fais, toi? Non, mais on s'en fout. Voilà, tu vas te lever aussi, il est 10h. Voilà, tu auras quand même un petit peu dormi, tout ça. Même mieux, hein. Je pense que l'Hélène, elle a moins dormi que toi. L'Hélène, elle fera une petite sieste, s'il faut. Ah, mais c'est trop kiki! Les filles, elles vont faire de la balançoire, toutes les deux. Qu'est-ce que... Oui, non, mais... on s'en fout. En plus, on sait pas qui tu es. Ah si, c'est son copain! Il a grandi, il est devenu ado. Ouh, peut-être un futur mari, qui sait. Futur un petit copain aussi. Ah bah non, Eva, elle est pas trop pour la balançoire, mais... C'était mignon quand même! Fais voir comment il est, Oliver. Ouais, finalement, il est pas terrible. Ouais, il manque vachement de charisme, un petit peu. Bon, après, il y a Gabrielli. Il y a Marc Darmon. Non, ça, c'est le cousin, ça. Ah oui, parce qu'il y en a des cousins-cousines. Jeanne, Kobayashi, Isabelle, bah ça c'est sa cousine aussi. Clémence, c'est sa sœur. Oui, oui, oui. Oh, elle fait peur, elle, Juliette. Oh, en tout cas, ça commence tout ça. Hein. Mais pourquoi tu lui parles à lui? On s'en fout. Bon, après, c'est une nounou. On va pouvoir le virer, d'ailleurs. L'Hélène, tu vas pouvoir le réprimander. Non, pas le réprimander. Lui va faire les griller des saucisses. Oh mon Dieu, mon petit Billy. Bon, il s'appelle pas Billy, il s'appelle Lionel. Ah! 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 Il y a trop de trucs qui se passent en même temps. Tu vas mettre fin à la nounou. Tu vas mettre fin à la nounou. Il est où? Il est là. Lionel, tu vas prendre ta responsabilité. Licencié, renvoyé. Licencié? Voilà, on avait besoin que de lui une fois. Et puis c'est très bien, hein. Mais arrête de t'occuper de notre... Elle dit rien, la petite. Voilà, hein. Tu vas pas commencer à la harceler non plus, hein. C'est du stalking, ça. Hein. T'es un stalker. Ben voilà. Là, elles font de la bonne vraie balançoire, les deux filles. Oh, elles sont kiki. Ben, c'est pas possible, dès qu'il y en a une qui le fait... Ah, mais en fait, elle a la nausée à cause de la balançoire. Eh, il vous faut pas grand-chose dans la vie pour pas être bien vous, hein. Bon, bah, arrêtez ça, alors, si vous êtes malade avec la balançoire, vous êtes un peu déprécieuse, quand même, hein, on va pas se cacher. Mal-Hélène, tu travailles? Ah, tu travailles de 14h à 20h! Ah, bah oui, c'est vrai, elle a eu sa promotion en tant qu'humoriste.
Ah, niveau 6 à compétence comédie. Oh zut, on n'a pas du tout travaillé ça, hein. Tu vas t'entraîner devant ton miroir. Et puis, ah, le majordome nous renvoie une personne. Est-ce que c'est Daichi, notre cher Daichi? On va zioter ça depuis la porte. Oh, t'as mis ta putain de tenue, ma belle! En plus, j'ai fait faire du jeu d'acteur, mais qu'est-ce que je suis bête? C'est, je pensais en voyant comédie, je me suis dit, ça doit être le truc avec le miroir, mais non! Oh, qu'est-ce qu'elle est belle cette tenue! Qu'est-ce qu'elle lui va bien! Années 80 en force, quoi! J'adore ce look! Et la petite Anaïs continue de hurler, donc papa, Lionel, tu peux aller la voir! Marcel est en train de disparaître, oh, ben non! Et. Ma petite Lélène part travailler, donc on va chahuter la foule, tiens. Voilà. Et toi, tu nous fais quoi là? Tu nous as fait quoi? Ah, ben, tu joues? Bon, tant mieux. La petite Anaïs est calmée. Tu vas pouvoir lui parler et lui faire une grimace aussi. Voilà, niveau 5. Mais il est content quand même. Alors, remarquez, le rongé rouge. Décoration stressante, voilà. Et pff, des enfants. Ça, c'est moi, ça. J'envoie Lionel se faire piquer. C'est vrai qu'on n'a pas eu le temps de s'occuper du jardin et des abeilles, là. Mais à mon avis, voilà, il s'est piqué. Ah bah écoutez, pour une fois que c'est l'homme, hein. Ah, il y a eu Pierre-Nard, sinon, la dernière fois. Je crois qu'il y avait Gustave et Albert qui s'en étaient occupés rapidement, mais bon, c'était pas aussi bien que les filles. Donc, non, tu as... Non, non, oh, bah, trop tard. Parce que j'allais dire, le miel, il va être récolté, mais il sera pas cher du tout, mais bon. C'est pas grave. Mon Liolio. Et tu devrais faire compétence fitness, ouais, bah non, bah, tu es bien. Ah bah tiens, tu vas faire un peu ta... On va t'entraîner un petit peu. Oh bah il y a ta mère qui vient. Bah attendez, il y a sa mère qui vient, on va lui dire bonjour quand même. On n'est pas un monstre. Bon, maman elle est restée dans les années 70, elle n'a pas été relookée. Mais c'est pas grave. Oh maman! Comment ça va maman? Tu viens voir tes petites filles. D'ailleurs... Bon, elle va manger, donc sinon, il faudra à l'occasion quand même qu'elle discute. Cette palissade se trouve un majordome. Parce que je me dis, mais il est où notre majordome? Il n'est pas encore arrivé. C'est Daichi! Mais là, je sais pas, il se pose peut-être la question. Oh, c'est encore eux? Est-ce que j'ai vraiment envie de travailler pour eux? Ma raison de vivre, Gisèle, n'est plus. Alors, oula, il se passe quoi là? Ouah, il se passe quoi là? Wouah! Le bug de l'enfer! Bref, Daichi se pose des questions encore sur savoir s'il va travailler avec nous. Mais il y a intérêt que tu vas travailler avec nous, oui! Saleté, va! Le retour d'Anaïs la hurleuse. Cette fois-ci, hein. Elle pue pas des fesses, au moins ça. Mais elle va peut-être tarder. Oh, je pense que c'est dans la nuit prochaine qu'elle va grandir. Ah, mamie, elle a envie de s'en occuper, regarde Lionel. Oui, non, mais regarde! C'est sa mamie qui a envie de s'en occuper. Mamie, une jeune mamie, hein, parce que du côté d'Hélène, il n'y a plus personne. Hein, mais... Voilà. C'est mignon quand même. Mais elle sait pas s'occuper d'un enfant, ta mère. Donc ça va être dommage, ça, dis donc. Mais barre-toi si tu sais pas t'en occuper. Parce que là, les cris commencent légèrement à me saouler, en fait, tu vois. Je dis ça comme ça. Allez, Lionel, occupe-toi de ta fille, parce que là, ça devient usant. Allez! Dépêche! Je commence à m'énerver. Arrête de parler! Arrête de lui 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 parler! Bon sang! Ah! Mais encore un gamin qui vient s'emmerder! Y a personne! Mais qu'est-ce que tu me fais? Qu'est-ce que tu me chantes? Ça y est, moi, les cris, je deviens folle! Ah. Oh là là, bouffe là. Fais-la bouffer, bouffe là. Bouffe là, cuis-la au four, j'en sais rien, mais la fais la rôtir à la broche. Non, c'est bon, va enfin se taire. Ah, le pied. Les vacances. Oh, la magnifique Lélène est rentrée du boulot. 402 Simflouz. Il est 20h, du coup, Paris s'éveille, mais tu vas inviter. Je pense qu'on va inviter à dîner la famille, les frères et sœurs, tout ça, vu pour on est dimanche. On les a vus hier soir en boîte, mais pourquoi pas les réinviter à la maison pour dîner, vu que en fait elles travaillaient, donc c'est dommage, je les aurais invitées dans l'après-midi.
Mais bon, on va faire ça comme ça quand même. Comme ça sera sympa. Allez, c'est parti! Les autres socialisent avec les invités, faire entendre que les Sims dansent en même temps. Et salut Chantal! Tu vas remercier d'être là. Oh! Il a froid le petit bichon! Vite, rentre vite à la maison! Oh non, ce serait emmerdé là si. Ouais, s'il meurt de froid, ça va pas être cool. Lui, il est en train de faire une sieste. Qui c'est quoi? Toi, tu vas faire quoi? Tu vas appeler. Ouais, tu vas l'appeler quoi? Je sais pas. Voilà. Non, mais venez là, je sais pas. Vous faites peur, mais elle fait quoi? Discuter avec Suzanne, ok. J'ai invité donc les frères et sœurs et il y a que elle qui est en sorte de conjointe parce que je n'ai pas pu. Oh là là, il va crever, il va crever, il va crever, il va crever. Mon Joseph, l'esprit de Gisèle est en train de disparaître. Ah, ça va pas être possible. Ma Hélène, elle a mis sa deuxième tenue de fête. Elle est magnifique. Elle est sublime. C'est qui ça? Mais non, mais on l'a pas invitée, Liliana. Je m'en fiche de cette fille. Allez, on vient ici dans la salle à manger. S'il vous plaît, tout le monde. Hein? Voilà. Non, ils préféraient tous dans le salon, comme vous pouvez le voir. Oh, c'est mignon, elle fait des câlins. Eva, t'es trop cute. T'es beaucoup trop cute. Est-ce que tu connais la mère de ta demi-sœur, qui est donc ta tante et ta cousine en même temps, qu'on n'a pas encore rencontrée, mais il faudra vraiment qu'on se bouge à la maison de chacun pour pouvoir rencontrer les enfants et tout, parce que ce serait plus intéressant. Anaïs, le retour de la pisse. Anaïs. Ah la vache, allez, viens. Mais pourquoi il y a cette meuf là? On s'en fiche. Ah, oh, les sœurs et tout. Va vite t'occuper. Non, alors. Non, alors toi, je t'adore Eva, mais là, tu commences sérieusement à me péter les noix. Eva, tu pètes les noix, comme on dit. Voilà, donc du coup, ben. Ah non, il y a elle aussi. Elle était restée buggée une fois dans le perso. Ça me rappelle des mauvais souvenirs. Ok, Hélène, tu peux venir là? Oh, j'en ai marre. Ah, et puis il y a Nadine aussi, ben oui! Continuez, continuez à nous saouler! Avec notre enfant, voyons! Oh, l'Hélène! Oh, l'Hélène, elle va pas se sentir. L'Hélène! L'Hélène! Non, l'Hélène, s'il te plaît. Mais qui c'est qui vient emmerder pour le berceau encore? Oh, alors toi, t'as pas intérêt à faire ça. Y a personne! Y a personne, voyons! Oh, j'en ai ras le bébé chou, hein. Toi, tu vas discuter avec ton beau-frère. Tant qu'à faire, en plus, non, pas demander de partir. Vous avez la même coupe de cheveux, vous pouvez que vous bien vous entendre et tu vas resservir une petite boisson, voilà, celle-là, et on aura fait au moins notre objectif. C'est lui, voilà. C'est lui qui nous saoule. Ah non, mais ils sont gentils, mais je sais, vous, à chaque fois, vous me dites. Ah, mais il faudrait que tu bloques la porte et tout. Oui, mais non, en fait, parce que sinon je vais oublier et ça va faire pire que mieux. Donc, je suis obligée de laisser ouvert à toutes les fenêtres comme ça. Le problème, c'est qu'ils sont trop gentils, ils veulent m'aider. Mais moi, je ne veux pas. Oh, ça y est! Ah, oh, j'ai enfin réussi. Ah, oh, quel pire. T'iras aux toilettes et puis la réception, c'est ici, hein. C'est pas de l'autre côté. Regarde, il y a ta sœur qui est là, Lionel. Tu peux la remercier d'être là. Tu peux discuter aussi avec Chantal. Tu peux discuter avec la copine de Chantal que tu ne connais pas. Ah bah tiens, quand je dis qu'il faut aller dans le séjour, il y a tout le monde qui vient dans le séjour. Ils sont gentils, ces Sims, au final. Ils sont gentils. Ils veulent me faire plaisir. C'est agréable. Oh, mais regardez comme c'est cool, du coup. Il y a plein de monde qui est là. Préparer les boissons. Mais. Ah, tu vas ressortir des boissons. Je pense que. C'était pas assez, voilà, hein, il fallait en ressortir encore plus. Donc au moins ce sera fait. Tout le monde va discuter avec tout le monde. Il y a un tiramisu que nous a fait Daichi. Faire en sorte que les Sims dansent en même temps. Ok. Les gamines, vous allez être mises à contribution. Vous allez danser, les petites. Voilà, vous venez là, vous remuez du popotin. Et puis ça va nous en faire trois. Mais c'est trop sympa. Voilà, moi je suis très contente de faire un petit dîner comme ça dimanche soir avec la familia. Ça fait plaisir de les voir, quoi. Vous voyez, l'ambiance est bonne et tout, donc voilà, c'est cool. Ok. Tu as fait quoi du... Mais tu as fait quoi?
Ah, c'est là. Oh là là, parce que non, ça commence à être un peu inquiétant tout ça. Tu vas appeler à table? Elle a rechangé de look, parce que comme il faisait frais dehors, mais là, il faut qu'on invite les gens à manger un burger végétarien pour que tout le monde puisse avoir son goût. À son goût. Et voilà, on a au moins la médaille d'or, c'est au moins ça. Il est 2 h du matin. Je pense que ça va être chaud. Non, toi, tu vas pas manger. Par contre, Eva, bah, tu manges. Bah, c'est cool. Et Betty ira au lit après, parce que bien sûr, ça fait tard pour tout le monde. Simone est sortie de sa tombe. Sa tombe, pas sa trombe, tombe. Lui, il va manger. Bichette, non, tu vas pas aller au lit tout de suite. Tu vas renforcer les liens avec Gisèle, parce que ce serait dommage. Gisèle est là. Tu vas renforcer le lien. Oh là là, elle est déjà montée. Après, tu reviendras manger un burger quand même. Voilà, le dîner médaille d'or gagné. Ça a fait plaisir de vous voir tout le monde. Le petit Joseph, il boit un coup, hein, tant qu'à faire. Tiens, Albert est sorti! Cool! Ah, j'aime bien ça. C'est agréable. Il a pris de la bidoche, hein, comme d'habitude. Hein. Puis il discute avec la mère de Lionel. Tout va bien. Ok. Voilà. Non, 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 Gigi, tu ne partiras pas. Au 7e ciel, pas pour l'instant. Non, mais tu vas pas manger. Ah, oh, vous me fatiguez, les Sims, vous me fatiguez. Tu vas manger ça. Voilà. Et en plus, oh, la petite, elle pleure. De nouveau. La petite pleure de nouveau. Tu vas y aller, Lionel. T'es un peu plus. Ouais, en forme, non. Pas vraiment, mais. Ah, et voilà. Et du coup, Laura, elle est réveillée aussi. Laura, elle a voulu. Elle est en vie. Allez, voilà, j'ai eu peur. Elle était à Walp. Laura, tu vas en profiter. Mais ils sont où mes burgers? Mais qu'est-ce qui. Mais qui c'est quoi? Ils sont où mes burgers? Qui c'est qui a piqué les burgers? Je comprends pas. Mais. Hélène, tu fais quoi avec tes burgers? Mais elle est starbée. Mais elle est starbée. Voilà, c'est la sénilité de sa grand-mère hein, qui est. Voilà. Laura, tu vas prendre un burger pour manger et tu retourneras au lit. Oh là, Laura elle commence à galoper. Hein, regarde-moi ça. Ça, elle va vite. Lionel, il s'occupe encore de sa petite Anaïs. Tu vas aller au lit. Parce que là, vous êtes crevés. L'Hélène, tu manges et tu vas dormir. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle. Regardez-moi la beauté de cette veste. La beauté de cette veste, franchement. Hein? La veste de la beauté sur une beauté comme Hélène. Que voulez-vous? Moi, je suis dans un état d'amour, quoi, pour cette Sim. C'est incroyable, voilà, tout simplement. Ah, bah zut! Ah, bah zut! Il n'y a pas eu le temps pour Hélène d'aller au lit. Pfff. Tu iras dès que tu pourras. Ah non, mais Lionel, tu déconnes aussi. C'est pas une sieste. Et oh, ah, oh, dodo. Dodo. Voilà, dormir. Tu vois, en plus, je suis sûre que demain, tu te lèves tôt. Il travaille dans 2 heures. Ok, super. Super. Et pendant qu'Hélène va lamentablement et difficilement se coucher, moi je vais vous quitter là-dessus pour cet épisode. J'espère en tout cas qu'il vous aura plu. Voilà, ça aura été une journée avec dîner de famille bien sympathique. Et dans le prochain épisode, on aura sûrement la petite Anaïs qui va grandir au blonde ou rousse. Les paris sont ouverts, les tout derniers paris. Je vous embrasse très très fort. Je vous dis à très bientôt pour la suite du Decade Challenge et à rendez-vous quand vous voulez sur les réseaux sociaux ou sur la chaîne. Bisous, ciao!